Vous m'observez du point le. Contre toute attente, Denkop Boxyclub a forcé l'admiration en s'imposant 4 fois sur les 7 combats inscrits au menu de ses finales à l'esplanade de la mairie de Foumbane. Dans les catégories 52, 63, 69, l'écurie conduite par Magloire Nganjong a été plus visible que les autres adversaires. Dominé dans les catégories de 75 et 81 kg, Denkop Boxing Club a eu du mal à s'affirmer devant les cadors de cette catégorie, tels que Fondinkou Mushili, qui a été porté par le public du Noun pour la qualité de sa prestation. Champion d'Afrique dans la catégorie de plus de 91 kg, Maxime Yeyong, de retour des Jeux Olympiques Tokyo 2020, a porté son club au sacre final sur une victoire par abandon. Sous le regard admiratif du préfet du Noun et Patricia Daomé Ndamjoya, présidente du syndicat des communes du Noun, qui salue l'initiative. Nous sommes heureux de les avoir reçus à Foumbane, dans le Noun et dans le cadre du syndicat des communes du Noun. Et nous pensons que ils ont compris la chance que nous avons d'être Camerounais et d'avoir du nord au sud, de l'est à l'ouest, cette diversité culturelle. Et je crois que le deuxième objectif, qui était de susciter des talents, que nos jeunes hommes, nos jeunes dames puissent être inspirés, je crois, a été comblé par la venue à Foumbane des champions, comme le héros qui nous vient de Tokyo et qui a remporté avec son équipe de Denkop, qui est aussi de l'Ouest. Dans l'Ouest, l'a emporté. Désormais inscrit au tableau des vainqueurs de la Coupe du Cameroun, Denkop Boxing Corp, à peine 8 mois créé, vient de combler les attentes de toute une région. Nous n'avons ménagé aucun effort pour y arriver. Nous avons fait des recrutements, nous avons fait la formation, nous avons encouragé les entraîneurs qui encadraient nos jeunes, nous avons encouragé même ces jeunes. Donc, au bout de la course, nous avons la victoire, nous avons le trophée. Ce n'est qu'un travail mérité. Je dis d'abord merci au roi de Barenkop qui m'a introduit dans cette discipline. Je dis merci à tous ces jeunes qui n'ont pas utilisé la facilité comme les autres pour aller échouer dans le désert et dans la mer. Ils ont cru en eux, ils ont cru à leur capacité et les voilà qui sont champions du Cameroun. Avec des athlètes véloces et optimistes, Denkop Boxing Club s'est appuyé sur les individualités pour renverser le tenant du titre. C'est la toute première fois, ça je l'avoue, et je suis bluffé. Je suis impressionné parce que, voyez-vous, déjà, on se rend compte que le fait que la Ligue régionale de boxe de l'Ouest n'ait pas existé a pénalisé des boxeurs. Peut-être qu'il y aurait eu certaines vocations bien avant, mais je pense qu'avec l'arrivée du président de la Ligue régionale de l'Ouest en septembre 2020, beaucoup de choses ont changé, notamment ce qui concerne l'organisation déjà de la Ligue et avec la création de plusieurs clubs, et parmi lesquels Denkop qui est un club phare. Et j'apprécie à sa juste valeur l'organisation de ce club. Et en termes de recrutement et la politique justement de ce club qui a conduit à la victoire aujourd'hui, à cette Coupe du Cameroun que ce club remporte de très haut vol. Vu que Tokyo n'a pas été, bon là, le plus important c'est de garder le rythme et continuer le travail. On ne baisse pas les bras, c'est venir soutenir notre club Denkop à gagner la Coupe du Cameroun. Ah, ça fait juste plaisir de venir retrouver tous les frères boxeurs, les frères dames. Donc, ça fait plaisir. Devant un public des grands jours, le noble art s'est érigé en vecteur du vivre ensemble pour une bonne cohésion sociale.